me mettre mes écouteurs là, bien dans mes oreilles, parce que du coup, j'arrivais plus à les mettre, ça tenait plus. Enfin bref, voilà. Je vais pouvoir me faire les cotons-tiges, genre. Bref. Voilà. Mais du coup, c'est chose faite. Et ça, je ne sais toujours pas. Et il y a une personne qui m'a envoyé un message hier qui m'a dit attention, ça peut être des cellules cancéreuses et tout. J'ai vu ça, j'étais un. Du coup, me voilà à 2h, 3h du matin en train de chercher tout sur ma croûte de nez, quoi. Voilà. Donc, merci de arrêter de me faire paniquer pour rien. Et c'est quoi ces bébés? Mais c'est quoi ces deux bébés? Mais c'est quoi ces bébés? Ils ont un mois d'écart, les bébous. Vous savez que vous êtes les meilleurs amis pour la vie ou pas? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez, les nounouches? Bon les amis, aujourd'hui je suis venue pour faire ma retouche du Candy Lips, donc de la bouche. Vous vous souvenez ce que j'avais fait? C'était le maquillage semi-permanent de la bouche. Et du coup Jennifer, elle passe à l'action aussi. Ça lui a trop donné envie quand je l'ai fait. Et donc là, ça y est, elle y est. Elle passe la première et après moi je ferai ma retouche. Ça c'est toi ça. Comment tu fais? Ça se trouve, c'est déjà marqué Stallman. Mais moi c'est 37. 7737. Mais moi je suis dans les 7 et toi dans les 8. Voilà. Bon, mes lunettes, il n'y a plus qu'un. Hein. Pourquoi t'as pas de sas toi? Comment ça j'ai pas de sas? Tu m'as pas mis dans un sas? Tu m'as pas mis dans un sas? Ah, il y a une puce et tout. Wow. Et on peut avoir des photos et tout après? Bah oui, c'est pour ça que je pense à mon avis les deux. Par contre, c'est bizarre que moi j'ai un sas et pas toi. Non! Attends. En plus, c'est toi qui nous as inscrit, Binette. C'est toi, j'ai dit 77. Oui. Ah ouais. T'as cru que j'allais le faire en une heure ou quoi? Bon les gars, depuis que j'ai mon nouveau four Tefal, je fais kiffer toute la famille. Aujourd'hui, c'est Yesta, mais elle va devoir deviner ce que je mets dans mes pizzas. Allez, première pizza, cuisson à nu, on met que des ingrédients frais. De...